tous nos auditeurs, ici Camille Mordelinche. Vous êtes sur la 27e édition de la Libre Antenne spéciale Donbass et je suis comme toujours accompagnée de mon camarade Yann. Yann, bonjour. Bonjour à tous, bonjour Camille. En février 2022, la Russie reconnaît les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, débouchant sur une collaboration militaire avec ces territoires qui se soldera par le déclenchement de l'opération spéciale en Ukraine. Si l'Occident a présenté cela comme un geste fou né des ambitions impériales du dictateur Poutine, la déclaration de guerre s'exprime en réalité par des années de conflits dans le Donbass. Faisons donc un bref récapitulatif chronologique. En 2014, c'est le coup d'État du Maïdan, soutenu par l'Occident contre une tentative de rapprochement du président ukrainien Yanukovych d'avec la Russie pour des accords gaziers. La fracture de l'Ukraine se renforce entre une partie occidentale qui lorgne sur l'Europe et qui a pris part au renversement du gouvernement de l'époque et une partie orientale anti-Maïdan qui dénonce l'ingérence des puissances occidentales destinées à faire échouer toute coalition russo-ukrainienne. À l'Est donc, les régions ethniquement russes du Donbass font sécession. Donetsk organise un référendum d'autodétermination comparable à celui de la Crimée pour revendiquer son autonomie. La population y répondra favorablement à presque 90% des voix et bien que ce référendum ait été fustigé par l'axe euro-atlantique et que la Russie soit restée silencieuse, les républiques de Donetsk et de Lugansk sont autoproclamées en avril 2014. On a donc à l'est de l'Ukraine des régions séparatistes russophones favorables à Moscou à qui les régimes post-Maïdan vont imposer une ukrainisation forcée en attaquant notamment l'usage de la langue russe et en réprimant violemment les populations qui y vivent. Une première tentative diplomatique de sortie de crise est passée avec les accords de Minsk 1 et 2 entre 2014 et 2015 qui prévoyaient notamment un cessez-le-feu et la reconnaissance d'une autonomie temporaire des oblasts de Donetsk et de Lugansk. Évidemment, ces dispositions n'ont pas été respectées. Et sur 8 ans de conflits lourdement armés depuis 2014, on chiffre entre 13 000 et 14 000 le nombre de victimes civiles dans le Donbass. Heureusement, l'intervention militaire russe en cours dans ces territoires fait espérer de meilleurs jours. Alors, après cette longue introduction et pour parler de tout cela, nous recevrons à nouveau et avec plaisir Daria Dougin, observatrice politique qui interviendra dans le cadre de son déplacement récent dans le Donbass. Mais dès à présent, nous avons l'honneur d'avoir avec nous Laurent Braillard, historien de formation, journaliste freelance et reporter de guerre pour Donbass Insider. Vous travaillez sur le terrain, courageusement avec Christelle Néant. Laurent, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour à tous, bonjour à vous, merci, c'est normal. Merci de la petite présentation et de m'avoir invité, bien sûr. Merci d'autant plus pour votre présence, puisque vous nous disiez hors antenne que vous aviez subi des bombardements. Oui, l'Ukraine ouvre le feu sur... D'ailleurs, il y a un obus qui vient de tomber. L'Ukraine ouvre le feu sur la ville tous les jours. On a été bombardé à peu près du 29 mai jusqu'au 25 juin, tous les jours assez intensivement, jusqu'à des 700 obus par jour, avec une moyenne de 350 obus à peu près. Vous êtes dans quelle ville exactement ? Je suis à Donetsk et okay. Aujourd'hui, ils ont bombardé un petit peu partout, mais c'est assez sporadique. Il y a moins quand même de tirs que pendant cette période-là que j'ai dite. Là, c'est quand même, vu la situation militaire au nord, les Ukrainiens nous tirent un peu moins dessus, mais ce sont des bombardements sur les civils, hein, bien entendu. Oui, alors vous voyez une amélioration par rapport aux dernières 8 années qui se sont déroulées dans le Donbass. On va du coup en parler avec vous. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit état des lieux de la situation ? Parce que c'est vrai que le public français est parfaitement inaverti sur la question. Alors, sur l'ensemble du front ou juste sur la situation de Donetsk ? Peut-être nous dire déjà juste un petit état des lieux de ce qui s'est passé depuis 8 ans, dans le Donbass en général, oui. Je vais essayer d'être synthétique parce que c'est assez compliqué, mais disons que suite à la révolution du Maïdan, le pays s'est retrouvé partagé en deux, donc une révolution orchestrée par les Américains pro-OTAN, pro-Union européenne, et qui a mis dehors un président démocratiquement élu qui était Viktor Yanukovych, et à l'est de l'Ukraine, massivement craintif par rapport à cette révolution et pro-russe, parce que de langue russe maternelle, qui finalement a préféré pour la Crimée rejoindre le giron russe, la Crimée étant autonome à cette époque avec un parlement. Et le Donbass, lui, par contre, s'est insurgé. Suite à ça, l'Ukraine a envoyé d'abord des troupes, on va dire, de bataillons de représailles qui n'étaient pas affiliés à l'armée ukrainienne, mais levés par des volontaires issus du Maïdan, et également affilié au ministère de l'Intérieur dans une opération antiterroriste qui s'appelle l'opération Anto,
Puis ensuite, ça a dérivé sur une guerre chaude, d'abord à l'avantage de l'Ukraine, ce qu'on a appelé la bataille des frontières, puis ensuite à l'avantage de ce que l'Occident appelle les séparatistes, mais ce que moi j'appelle les républicains, et qui les ont repoussés jusqu'aux accords de Minsk, donc le 12 février 2015. Puis ensuite, on est passé une guerre de tranchées sur un front de 450 km. Guerre plus ou moins chaude, avec des observateurs de l'OSCE des deux côtés, mais avec des combats sporadiques, et également un front complètement miné, fortifié, et tout ça pendant 6 ans, jusqu'à le point chaud de l'opération spéciale russe déclenchée le 24 février suite à, je pense quand même, une menace de l'Ukraine d'une attaque massive sur le Donbass. Et depuis donc le 24 février, l'opération russe donc, qui a attaqué de la Crimée du territoire russe. Et nous sommes passés ensuite une guerre de mouvement, d'abord dans un mouvement de va-et-vient des Russes avec l'opération sur Odessa stoppée, mais après la prise de Kherson au sud, ben, vous avez tous suivi ça, c'est-à-dire la prise de flanc de Mariupol, puis bien sûr la prise de la ville, la capitulation du régiment Azov, et au nord, bon, opération autour de Kiev, puis ensuite retraite des Russes, et ensuite bataille chaude autour de Kharkov, et là, grande bataille dans le Donbass, enfin plutôt au nord du Donbass, avec une avance des Russes à peu près tous les jours, une bataille très chaude puisqu'on est passé sur plusieurs chaudrons qui ont été réduits, là bientôt celui de Lysychansk. Et la guerre se poursuit avec des objectifs pour l'instant encore assez lointains et certainement pour encore très longtemps. Voilà pour le rapide résumé. Et vous, grâce à Donbass Insider, on a une information différente de celle qu'on peut avoir dans les médias mainstream, hein, comme d'ailleurs le fait Xavier Moreau avec Stratpol, et on vous en remercie pour cela. Est-ce que vous pouvez nous raconter en deux mots l'aventure Donbass Insider, comment ça a commencé et depuis quand vous êtes physiquement dans le Donbass ? Alors l'aventure, en fait, elle commence avec moi quand... alors moi, j'ai travaillé pour les médias russes jusqu'en 2013. Puis ensuite, suite à un accident de vie, j'ai eu un grave accident. Je me suis retrouvé freelance, j'ai écrit un livre contre le Maïdan dans l'hiver 2014-2015. Et ensuite, j'ai été invité à Donetsk pour 3 jours. Puis suite au choc que j'ai subi dans ce voyage, je suis parti 1 an. Juillet 2015, juin 2016. Et Christelle s'est trouvée dans mon réseau arrière assez rapidement, d'abord pour des corrections et surtout de la traduction en anglais. Finalement, elle a souhaité venir, donc je lui ai fait confiance. Elle est arrivée en mars 2016. Je travaillais pour une agence indépendante fondée ici avec que des étrangers. Mon patron, Janos Putkonen, est toujours finlandais. Et que des activistes, on va dire, pro-russes. Et suite à ça, moi je suis parti, donc j'avais promis à mon épouse de revenir après 1 an, parce que je suis papa, hein, j'ai 2 enfants et une belle-fille, donc voilà, je suis rentré après 1 an, mais Christelle a tenu la ligne, et en 2018, elle est partie de cette agence qui a cessé d'exister et a fondé le Donbass Insider en 2018. Et donc, est là depuis 6 ans, et suite à la situation vraiment chaude, j'ai décidé de revenir ici pour 6 mois, donc je suis arrivé fin avril, et puis j'ai rejoint Christelle. Alors elle était derrière moi, maintenant, c'est elle ma patronne, et je suis donc derrière Christelle, et on forme un tandem qui fonctionne très bien. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous travaillez ? Est-ce que vous êtes au plus proche des opérations ? Vous êtes en contact avec les républiques autoproclamées ou même avec les autorités russes ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, au départ, évidemment, en 2015, à peine 1 an après l'insurrection, je travaillais pour Janos Putkonen et l'agence Donaï. Évidemment, on travaillait avec les autorités. Donc, à l'époque, avec le président Zakharchenko, on avait pas mal de moyens à notre disposition. Je ne parle pas d'argent ici, je parle des possibilités d'aller sur le front, autorisation et accréditation militaire, bien sûr, c'est très important. Des fixeurs, on travaille avec le service de presse de l'armée de la DNR, qui nous conduit au front, et puis des possibilités aussi d'avoir accès, par exemple, à des administrations pour faire des interviews, des hôpitaux militaires, etc., etc., etc. Donc, ils nous ont beaucoup aidés. Ça a un petit peu changé, pas parce qu'ils sont qu'ils veulent pas nous aider, mais notre présence a été un peu moins importante. Et puis maintenant, c'est la Russie, donc tout a un peu changé.
Bien sûr, ça fonctionne à peu près pareil, mais c'est une guerre beaucoup plus chaude. Donc voilà, il y a beaucoup de journalistes. Avant, Donbass était tout seul. Maintenant, il y a beaucoup de monde. Mais on reçoit toujours surtout une aide pour nous aider. Par exemple, là, l'ombudsman de la DNR m'a donné 5 adresses de femmes torturées qui ont survécu aux tortures de SBU. Donc le SBU, pour ceux qui ne savent pas, c'est la police politique ukrainienne, type Securitate et ou Stasi ou Gestapo ou KGB. Et donc voilà, le genre d'aide qu'on a, c'est surtout une aide administrative pour nous simplifier le travail. D'accord, merci. Et du coup, vous qui menez un travail de terrain, est-ce que vous pouvez nous dire comment les populations ont accueilli sur place justement cette opération militaire russe ? J'imagine comme une libération ? Alors en fait, ça dépend. Pour être honnête, en fait, finalement, historiquement parlant, il y a ce que j'appelle moi la fracture du Dniepr. Jusqu'au Dniepr, on est face à des populations massivement russophones. Et plus on va vers l'ouest, moins la population est de langue russe maternelle et donc de fait, moins elle supporte l'action de la Russie. Donc on a vu par exemple à l'approche de Nikolaïev et d'Odessa quand même une certaine résistance et aussi du côté de Kiev. Par contre, dans le Donbass, et je l'ai vu de mon propre yeux, notamment à Mariupol et aussi à Svetlodarsk, une ville de la tête de pont de Popasnaya qui est dans la République de Donetsk, où je suis rentré 3 jours après la libération, les populations ont accueilli et nous accueillaient en libérateurs et avec une joie intense, c'est clair. Et même des gens qui me disaient « ma maison est détruite, les Russes nous ont bombardés, mais on priait pour que les obus russes chassent ces Ukrainiens qui les avaient occupés pendant 8 ans ». Et c'est assez incroyable parce qu'il y avait vraiment une ferveur que j'avais pas revu depuis 2015 plutôt, gros obus là qui vient de tomber, je sais pas si vous avez entendu, et donc qui était très très enthousiaste au début, qui pensait qu'ils allaient pouvoir se séparer de l'Ukraine, et là on retrouve cet esprit de soulagement, de liberté, ils sont vraiment heureux, il y a pas d'autre mot, ça c'est très clair. Par contre, faut quand même dire quelque chose. Dans le Donbass, au début de la guerre, il y a quand même des gens qui sont pro-Maïdan, qui sont pro-ukrainiens. Mais 8 ans plus tard, ces gens sont déjà partis depuis très longtemps. Et dans les zones, on va dire, russophones contrôlées par l'Ukraine encore, il y a beaucoup de ces Russes ethniques d'Ukraine. Environ, on ne connaît pas le chiffre, mais peut-être 3 millions, 500 000, 4 millions qui sont partis à l'étranger. Beaucoup en Israël, surtout en Russie, et donc qui ont vidé un peu aussi quand même du soutien de la Russie certaines zones, notamment les villes de Dnipropetrovsk, Zaporogie, Kharkov et d'autres. Et de quoi se plaignaient ces populations russophones de l'occupation ukrainienne ? Est-ce que vous avez recueilli des témoignages et des exemples précis de mauvais traitements ou... Alors oui, parce que c'est quasiment une de mes spécialités. Je travaille depuis 2015 là-dessus. J'ai eu la chance en 2015-2016, et là, on va recommencer ce travail, là, comme je vous expliquais tout à l'heure, j'ai fait les interviews de prisonniers politiques. C'est-à-dire qu'en Ukraine, les résistances anti-Maïdan s'est exprimée d'abord par des manifestations. Et à Odessa, le 2 mai 2014, ces manifestations ont été écrasés dans le sang par des activistes Maïdan, avec tout un tas de personnages de l'Ukraine bandériste, fasciste, néo-nazi. Et suite à ce massacre qui s'est répété le 9 mai à Mariupol, il y a une certaine résistance qui s'est mise en place, et donc la police politique du SBU est entrée à l'œuvre et a créé dans toute l'Ukraine des prisons secrètes. La loi ATO permettant à l'Ukraine d'arrêter n'importe qui, n'importe où, sans mandat d'arrêt, sans même prévenir la famille. Et j'ai interviewé certains d'entre eux qui ont été échangés contre des soldats ukrainiens prisonniers dans le Donbass. Et ces témoignages étaient absolument terribles parce qu'il s'agissait de civils. C'était des résistances la plupart du temps pacifiques, même s'il y avait quelques résistants. Alors une résistance, on peut la qualifier comme en 1943 en France, c'est-à-dire donner des renseignements. C'est vraiment une résistance de ce genre qui s'était mise en place dans l'est de l'Ukraine. Donc le SBU, évidemment, a réagi avec les mêmes méthodes que la Gestapo, torture, arrestation, assassinat, charnier,
Donc, par exemple, j'ai des photos de capture d'écran de Google Maps, un résistant m'ayant montré des charniers où justement ses opposants étaient donc enterrés. Je ne sais pas, personne ne sait le nombre de morts causés par ces répressions, mais c'est en centaines, peut-être même milliers. Cette répression est terrible, elle est évidemment complètement tue, bien qu'il y ait eu quelques enquêtes au début de l'OSCE qui sont parues en 2015-2016. La Croix-Rouge un peu, mais maintenant tout ça est complètement enterré, puis personne n'en parle. Et c'était un régime réellement de terreur, hein. il y a pas d'autre mot. C'était sous la supervision directe du gouvernement ukrainien, ou ce sont ces milices ukro-nazis qui prenaient des initiatives en leur nom? Les deux. C'est-à-dire qu'à l'époque et même après, en fait, il faut comprendre qu'il y a l'armée régulière à l'époque, il y a les bataillons de représailles qui dépendent du ministère de l'Intérieur, donc qui sont les fameuses milices dont vous parlez. Il y a l'armée privée de l'oligarque mafieux chypriote juif et ukrainien Igor Kolominsky, qui avait fondé un certain nombre de bataillons qu'il avait financés, dont Azov d'ailleurs, Azov, Haïdar, Dniepr 1, Dniepr 2, Donbass, alors ça c'est un bataillon de transfuges, et bien d'autres, Tornado, bon il y en a beaucoup. Et ensuite, le Pravi Sector. Alors le Pravi Sector a organisé une armée type Waffen-SS qu'on appelle le Duke. C'est grosso modo un corps formé donc par des membres du Pravi Sector, parti extrémiste, bandériste, d'une certaine façon antisémite, mais pas que, mais surtout néo-nazi, fondé par un certain Yarosh, et qui a fondé un corps de réserve. Donc c'est à peu près 26 bataillons, 5 bataillons du front, puis 4 autres fondés en 2022. Et c'est une véritable armée indépendante, type Waffen-SS, et qui s'est livrée à des atrocités terribles. J'ai d'ailleurs interviewé une femme qui a survécu à ses sbires. C'était la pire interview que j'ai jamais faite de ma vie, et peut-être que j'aurai à faire, bien heureusement. Et donc voilà, ces trois entités qui se sont livrées donc à ces crimes, l'armée régulière se portant à peu près bien, on va dire ça comme ça. Et ensuite, tout ça a été un petit peu changé. À partir de 2016, les bataillons de l'armée privée de Kolominsky ont été intégrés dans le ministère de l'Intérieur ou l'armée régulière. Et le Duke, le fameux groupe du Pravi Sector de volontaires, a été intégré dans l'armée seulement il n'y a pas longtemps, en mars 2022. Donc aujourd'hui, officiellement, il n'y a plus que l'armée ukrainienne, mais évidemment, ces corps existent encore, bien entendu, soit par tradition. Donc on les a changés de nom pour leur donner un numéro, sauf quelques bataillons emblématiques comme Azov. Et pour le reste, voilà la situation exacte de ce qui s'est passé en Ukraine. Il faut bien comprendre ces différences entre ces différents corps. Et ils sont très nombreux. Pour le Duke, c'est 26 bataillons, 31 maintenant. Et comment... je sais que vous êtes plus côté russe, mais comment on explique côté ukrainien le fait qu'il y ait des oligarques juifs qui financent en fait des milices néo-nazis ouvertement antisémites? Et comment se justifie également le fait que bon, vous avez tous ces bataillons là, Pravi Sector, Azov, Dniepr 1 et 2, ouvertement néo-nazis, qui ont un président juif, et d'ailleurs toute l'administration qui est vienne est à forte présence juive également. Comment s'est justifié ça côté ukrainien? Comment ces bataillons en fait le justifient? Parce qu'il y a une vraie contradiction. Il y a une vraie contradiction quand même. Mais toute l'Ukraine est une contradiction énorme. J'ai même découvert une compagnie dont j'ai écrit l'histoire il y a pas longtemps, la compagnie Ouda. C'était la compagnie juive du Pravi Sector. Ouais, donc c'est dingue. L'Ukraine est un paradoxe. Donc l'Ukraine ne l'explique pas. C'est simplement, si vous voulez, la même chose, si vous voulez, que les USA et l'OTAN qui ont financé, comme vous le savez, un peu partout les salafistes islamistes dans le monde. Comme point armé pour déstabiliser des gouvernements. Donc l'Ukraine libérale, conservatrice, otaniste, européiste, s'est servie de cette force de frappe qui est donc entraînée dans une violence déjà depuis de longue date par des milices paramilitaires bien avant, leur a permis de faire cette révolution. On les a vus sur le Maïdan,
Et donc, c'est un peu les idiots utiles, si vous voulez. Mais dans ces bataillons, on rêve de la révolution nationale fasciste. Et certains font une certaine confusion parce que dans le barbarisme, il y a une frange, on va dire, qui n'est pas forcément racialiste et antisémite. Et il y a une frange qui l'est. C'est en fait la scission qui s'est faite en Ukraine assez intéressante. C'est-à-dire que les nationalistes européens se sont scindés entre pro-russes et pro-ukrainiens. Ici, l'antisémitisme est finalement un petit peu différent. Et il faut aussi remarquer qu'il y a aussi les antisionistes. Et l'antisionisme, c'est complètement autre chose que l'antisémitisme, évidemment. Donc, l'Ukraine, c'est ce que j'appelle, moi, la kasha. Donc, la kasha, c'est la bouillie de céréales oui, russes. Oui, oui, qu'on mange le matin. Oui, je connais très bien. Ouais. Le cachou, oui. Tout à fait. Voilà. D'accord. Donc, c'est un pays de contraste complètement corrompu. Et par exemple, Igor Kolominsky, c'est un peu, moi, ce que j'appelle, excusez-moi du mot, hein, le juif de pacotille, c'est-à-dire, ce sont des gangsters. On se souvient aux États-Unis de ces histoires de gangsters. Il y avait la mafia italienne, irlandaise, juive. Et là, c'est un peu la même chose. Donc, c'est un mélange de gangstérisme, de politicard, enfin, voilà, de tout un tas de personnages. Et il y a une confusion terrible en Ukraine. Avec beaucoup de groupes extrêmement, comment dire, extrémistes, populistes, du fait de 30 ans de corruption et d'un malaise de la société qui a grandi, comme on a pu voir par exemple dans l'Allemagne des années 20 et 30. Et c'est dans ce creuset-là que se font justement les extrémismes. Et c'est la même chose avec le communisme, par exemple, également. Dans certains, en Russie, par exemple, pendant la révolution russe. Donc moi j'appelle ça aussi le cirque, c'est complètement incompréhensible. Ça ne s'explique pas, c'est juste un pays dans un trouble violent qui a fermenté très longtemps et qui arrive à cette je sais pas comment le qualifier, poudrière, un petit peu comme la poudrière balkanique. Ah, il y a un autre but qui vient de tomber. Décidément. Voilà. J'espère qu'on pourra terminer l'interview ouais. Et que vous allez survivre à l'interview, ouais, ça c'est sûr. Excusez-moi, juste une dernière phrase. C'est très compliqué à comprendre parce qu'en fait, il n'y a rien à comprendre. C'est un pays incompréhensible et qui est aussi une construction inadéquate. Le président Poutine a dit dans son discours que la faute était à Lénine et à Staline. Dans cette construction d'un pays, moi, quand j'ai voulu écrire mon livre, je l'aurais appelé l'Ukraine, ce pays imaginaire. Ouais. C'est un peu comme les pays d'Afrique, en fait, finalement. Ça fait un peu penser aux pays africains qu'on a découpés en faisant fi des ethnies déjà présentes. Exactement, parce qu'il y a un bout de Ruthénie qui était de Slovaque, un bout de Hongrie, un bout de Roumanie, la Crimée, qui était donnée à Khrouchtchev à l'Ukraine, dans la République socialiste soviétique d'Ukraine. Et bien sûr, la partie, on va dire, polonaise, l'ouest de l'Ukraine, plus la partie, évidemment, historiquement russe, Kiev étant la capitale historique de la Russie, comme par exemple Lyon, le Prima de Gaulle, la capitale française d'il y a très longtemps. Oui, tout à fait. Et il y a certains nationalistes russes, national-bolcheviques, je pense à Limonov. Il y a une vidéo qui tourne où il est avec ses partisans et il manifeste justement contre l'indépendance de l'Ukraine dans les années 90, où justement il souligne le danger de donner, en fait, de créer un sentiment nationaliste à l'Ukraine, anticipant en fait les événements qu'on vit actuellement. Oui, bien sûr. Évidemment, chez les pan-russes, c'est clair que pour eux, l'Ukraine, c'est un territoire russe. C'est juste le traumatisme de l'invasion de la Horde d'Or au XIIIe siècle qui a finalement éclaté la Rousse de Kiev, parce qu'à l'époque, c'est la capitale, hein, et qui a fait que par la suite, les Russes ont lutté. C'est à cette époque, d'ailleurs, qu'on Moscou devient la capitale avec Alexandre Nevski. Et on les a appelés ensuite les grands Russiens et les petits Russiens étant les Ukrainiens. Et il a fallu 500 ans à la Russie dans une reconquista pour reprendre ces territoires. Et ça se termine avec finalement la Grande Catherine dans les années 1780-1790. Et là, la Russie a,
atteint la Bessarabie, donc là un territoire qui historiquement n'était pas russe. Voilà, on est en 1790. On pourrait comparer ça un peu à l'Alsace-Lorraine pour la France finalement. En beaucoup plus gros, mais oui, on peut dire ça, bien sûr, oui, oui. Oui, bien sûr, de toute façon, la fracture du Nieppe, c'est une fracture civilisationnelle, comme il y a la fracture du Rhin, où les Français se sont énormément battus, évidemment, dans le précaré français. Et là, ici, on a des conflits qui existent déjà depuis 800 ans, depuis 1000 ans. Et du coup, au-delà de l'autonomie, est-ce que vous pensez que ces républiques de Donetsk et de Lugansk ont pour ambition ou pour volonté d'être rattachées à la Fédération de Russie ? Je vais vous dire ce que j'entends en 2015. En 2015, quand je pose cette question, la moitié des gens me disent « Moi, je suis né du temps de l'Union soviétique. L'Ukraine, je ne connais pas. Je n'ai pas demandé à être ukrainien. Donc moi, j'ai toujours été russe. » Donc ça, c'était 50% de la population. Il y en a d'autres qui me disaient « Moi, je suis ukrainien, je veux rester ukrainien, mais je ne veux pas de l'Ukraine du Maïdan. » Et il y en a encore quelques autres, peu nombreux, qui me disaient « Moi, je suis ukrainien et je suis pour le Maïdan. » Ils étaient très peu. Alors maintenant, ça a complètement changé. Quand vous posez cette question aux gens, ils vous disent pour 75% qui veulent être russes, qu'ils sont russes. Et le reste disent qu'ils voudraient bien rester indépendants dans les républiques autonomes et rattachés à la Russie par une alliance, on va dire. Ok. Et quelles sont vos prévisions là, pour la suite des événements ? Il y a une question qui se pose, enfin il y a deux questions qui se posent en fait. C'est Kharkov au nord, qui est la deuxième plus grande ville d'Ukraine. Hein. Est-ce que vous pensez que c'est un objectif militaire pour les Russes ? Et ensuite, est-ce que les Russes vont pousser jusqu'à la Moldavie, jusqu'à la frontière moldave, et prendre Odessa ? Odessa qui, il faut le rappeler, hein, c'est quand même l'estuaire du Danube et qui donnerait à la Russie un levier considérable sur tous les pays d'Europe centrale, puisque le Danube, c'est un débouché économique pour beaucoup de pays. Oui, parce qu'à la limite, dans les ambitions les plus suprêmes, ce serait peut-être de prendre le contrôle sur la mer Noire, puis de rattacher la Transnistrie aussi. Comment vous voyez les choses ? Et est-ce que vous en parlez avec des Russes sur place ? Est-ce que vous avez des échos ? Depuis longtemps. Eh bien, en fait, ça se relie avec ce que je viens de dire avant. C'est-à-dire que quand la Grande Catherine termine cette conquête et qu'ils remettent les pieds sur ces terres historiques russes, la Grande Catherine nomme un gouverneur qui, d'ailleurs, était en Crimée et qui était gouverneur de la Novorossie, la Nouvelle-Russie. Et donc, en fait, les ambitions russes sont forcément cette nouvelle Russie. Et d'ailleurs, on l'a vu dans l'offensive du départ russe, c'est-à-dire une pointe sur Odessa et une pointe sur Kiev. Donc, de mon avis personnel, l'objectif ultime de la Russie, c'était évidemment pour elle, pour avoir vraiment atteint tous ses objectifs, c'est la conquête évidemment d'Odessa, qui est une ville fondée par la Grande Catherine d'ailleurs en 1794. D'ailleurs, les deux premiers gouverneurs, par ailleurs, c'est marrant, sont français. C'était des émigrés blancs, le duc de Richelieu et ensuite le comte de Langeron. Donc ça, c'est pas anodin. C'est pour ça qu'Odessa a une attache française très importante. Il y a toujours un lycée français. Et puis, bien sûr, la Novorossie, ça inclut quoi ? C'est-à-dire toute la rive droite du Dniepr. Donc ça, évidemment, ça implique évidemment tout le Donbass, mais aussi tout le sud de la région, Mélitopol, Berdiansk, évidemment, jusqu'à Zaporogie et Dnipropetrovsk, et bien sûr Kharkov. Je rappelle qu'en 1918, c'est la seule ville qui est restée aux bolcheviks. Tout le reste est en insurrection avec les Blancs au sud, les nationalistes ukrainiens dans l'ouest, et puis l'armée de Makhno à peu près au milieu. Donc Kharkov, bien sûr, a un objectif majeur. Moi, je pense que le Kharkov sera prise. Les Russes, de toute façon, l'assiègent et on voit bien que ça bouge de ce côté-là. Je pense qu'ils essaieront de la prendre. Odessa, ça paraît déjà un peu plus ambitieux. Mais je suis sûr que c'est un objectif. Parce que, comme vous l'avez si bien rappelé, Yann, ça donnerait la possibilité de tendre la main aux séparatistes et insurgés de Transnistrie, qui sont une enclave russophone très isolés depuis 30 ans et qui évidemment attendent les Russes depuis très longtemps. Et ça donnerait, comme vous le dites, le contrôle des ports de la mer Noire. Et contrôler les ports de la mer Noire, c'est contrôler évidemment le commerce du blé ukrainien, entre autres,
et en plus du fameux contrôle, on va dire, d'une partie des Balkans. Et c'est certain que la Russie a lutté pendant des siècles pour retrouver, comme je l'ai dit, pendant 500 ans, ces terres-là et cet accès aux mers chaudes. Bon, avec la Crimée, c'est bien, mais s'ils avaient Odessa, c'est sûr que là, ça serait l'objectif ultime, je pense. Mais est-ce qu'ils y arriveront? C'est autre chose. De mon avis, Kharkov, oui. Odessa, c'est bon, il faudrait quand même, de mon avis, de toute façon, ça va être très long. S'il ne se passe rien d'absolument exceptionnel entre-temps, on est parti pour une guerre de 1, 2, peut-être même 3 ans. Hein. Ça, c'est mon avis. Il y a plein de personnes qui disent que ça sera rapide, etc. Moi, j'en suis absolument pas convaincu, même tout le contraire. Je pense que ça sera très long. Et les Russes vont prendre leur temps. Très bien, parfait. Un dernier mot, Camille ? Écoutez, tout me semble très clair. Si ce n'est qu'on va souhaiter du courage aux populations du Donbass et d'ailleurs, parce que de toute évidence, une guerre n'est jamais propre, mais que c'était, à mon avis, une opération indispensable pour, de toute évidence, la survie de cette région. Quoi. Et pour la Russie, pour les intérêts russes. Pour les intérêts russes, oui, bien sûr. Je rajouterais moi-même également pour les intérêts, même si ce n'est pas l'avis de notre gouvernement, pour les intérêts de la France. Moi, je suis un chaud partisan de l'alliance franco-russe. Je pense que la France devrait retrouver sa voie, donc la troisième voie, qui était ni soviétique ni américaine. Et la France a tout intérêt à cette alliance. Nous sommes de chaque côté de l'Europe, totalement à l'opposé. Et je pense que c'est une erreur de considérer la Russie comme une ennemie. Bien au contraire, et les intérêts français et russes sont extrêmement liés. Ils devraient l'être, et je suis un chaud partisan de cette alliance. Mais évidemment, avec cette retrouver notre souveraineté et ce que la France d'ailleurs n'aurait jamais dû abandonner. Et voilà, pour nos propres intérêts à nous et pas ceux des puissances étrangères qui sont évidemment pas ceux du peuple français, de mon avis. Oui, absolument. Surtout que la France joue un jeu trouble. Hein. Elle apparaît comme un médiateur entre les mains de Macron, alors qu'en fait, elle est co-belligérante hein, dans cette affaire en envoyant des armes et en plus en soutenant les sanctions, en les pratiquant aussi. Donc voilà, donc oui, tout à fait, se désengager de l'hégémonie américaine pour retrouver notre indépendance et notre souveraineté, ça nous paraît indispensable, absolument. Merci beaucoup, Laurent. Merci beaucoup pour vos interventions. Et donc, on rappelle qu'on peut suivre tous vos articles sur le site de Donbass Insider, où vous faites vraiment, vraiment le boulot, hein, comme on peut dire. J'ajouterai juste un petit mot. J'ai vu que vous aviez été censuré sur YouTube en écoutant la dernière vidéo de Christelle ce matin. Pas que YouTube. Moi, j'ai perdu déjà deux comptes Twitter, sur Instagram. On a été un peu censuré partout. Ouais, donc on va encourager nos auditeurs à se tourner vers Odyssée, hein, comme nous le faisons nous aussi. Hein. Et votre site, hein, votre portail qui est toujours accessible, ouais. Hein, sans problème. Ouais. Parfait, merci beaucoup, bon courage. Merci encore. Évitez les obus. Et, oui, et à très bientôt. À très bientôt, j'espère. À bientôt. Merci, au revoir, à bientôt. Au revoir. Ok, donc nous recevons avec nous Daria Dougine. Daria, merci d'être encore une fois à nos côtés. Merci beaucoup à vous pour l'invitation. Alors, vous êtes observatrice politique et vous revenez de quelques jours dans le Donbass, dont vous allez pouvoir nous partager l'expérience. Alors, déjà, question très générale, qu'est-ce que vous y avez vu? Il semble que des dégâts matériels et évidemment humains ne soient pas tous imputables aux forces russes, mais bien aux forces ukrainiennes qui ont par ailleurs coutume de bombarder des zones civiles sans enjeu militaire. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer? En fait, à dire la vérité, dans ce cas de cette guerre, deux côtés sont responsables pour la destruction. Donc, en fait, il faut absolument noter qu'il y avait la pratique de ukrainienne de mettre les points de feu au centre de maisons civiles. Et donc, à cause de ça, il y avait plusieurs maisons civiles bombardées. La pratique des Ukrainiens était très ressemblant à la pratique
de terroristes et même comparables avec les terroristes de Daesh. Qu'est-ce qu'ils faisaient? En fait, ils mettaient les points de feu au deuxième ou troisième étage de la maison. Et après, ils chutaient depuis cette maison. À cause de ça, l'armée russe était obligée de réagir et donc elle faisait le bombardement. Mais en même temps, ces bâtiments étaient évidemment détruits. Donc, il y a deux côtés responsables. L'une était la côté terroriste et l'autre, c'était la côté antiterroriste. Donc, nous pouvons maintenant absolument dire que la côté russe, c'était, elle faisait un sort d'opération antiterroristique. En même temps, c'est très important de dire que, en visitant la région, j'ai vu aussi la joie de gens qui habitent là-bas d'être avec la Russie, d'être avec l'aide militaire de la Russie. Et donc, j'ai vu cette joie. Les gens qui habitent là-bas, qui étaient déjà bombardés pendant 8 ans par l'Ukraine, qui étaient déjà déstabilisés, sont très ravis que bientôt, elle aura le fond de cette d'opération, c'est-à-dire que l'installation de l'ordre dans cette région. Il faut jamais oublier qu'à partir de 2014, il y avait le bombardement fort depuis la côte ukrainienne de Donbass, par exemple. Et si on regarde même en France, il y a aussi des reportages sur ça. Alors, le Bonnel, il a bien montré la situation, qu'est-ce qui était pendant ces 8 ans. Il a eu certains films sur ce sujet, comme un documentaliste. Je crois qu'il faut absolument, je conseille à toutes de les regarder. Mais je veux dire que maintenant, l'esprit change. Donc maintenant, il y a la joie. Il y avait la souffrance dans cette région pendant 8 ans. Et maintenant, ce que j'ai vu, c'est vraiment l'émotion de joie. Et les gens croient en Russie. Les gens croient à ce que l'Ukraine maintenant est possédée par le virus de globalisme, de libéralisme occidental, qui est vraiment aussi sur la même catégorie que nationalisme, nazisme, je peux dire, nazisme libéral. Et donc, aussi les gens comprennent que c'est pas uniquement la contradiction de deux mondes, c'est pas la contradiction entre, et c'est pas la guerre entre les Russes et les Ukrainiens, pas du tout. Les Russes et les Ukrainiens, c'est les frères, c'est un peuple slave qui a vraiment beaucoup de traits similaires. Mais c'est la guerre entre le globalisme et l'antiglobalisme, la guerre entre la multipolarité et l'unipolarité. Et même là-bas, dans la région, quand je parlais avec les gens à Donbass, à Mariupol, à Lugansk, aussi sur la ligne des fronts, aussi dans Melitopol, à Berdiansk, j'ai vu qu'il y a cette compréhension que ce n'est pas un conflit entre l'Ukraine et la Russie. C'est le conflit entre deux paradigmes, entre deux voies du monde, entre deux modèles du monde. Mais tu penses, Daria, que c'est quelque chose que comprennent le monsieur tout le monde, enfin, je veux dire, la population locale? Ils le ressentent vraiment comme ça, ou c'était pas plutôt marre de l'oppression ukrainienne vis-à-vis des russophones? Ça, c'est intéressant. Comment j'ai appris ça? Moi aussi, je pensais que possiblement qu'il y a cette conscience au niveau de l'élite politique de région, qu'ils comprennent que c'est une chose de conflit de deux paradigmes, mais je croyais qu'au niveau de gens habituels, ils ne comprennent pas. Mais non. Quand j'étais à Donetsk, c'était le bombardement le plus grave depuis 8 ans. C'était le 13 juin, le jour quand vraiment il y avait toutes les régions qui étaient sous le, tous les arrondissements de Donetsk qui étaient sous le bombardement. Et en fait, j'ai regardé les gens qui étaient sur les terrasses de café, qui buvaient du café, et ils ont dit, avant cet arrondissement, avant cette place de Donetsk, n'était jamais bombardé. Je leur demandais, mais pourquoi? Pourquoi maintenant c'est bombardé? Ils ont donné la réponse, à cause de l'artillerie qui était donnée par les États-Unis à l'Ukraine. Et à cause aussi de l'artillerie française qui était César, en fait, ce que Macron a envoyé. C'est à cause de ça que le centre de Donetsk est aussi bombardé. Après, j'ai commencé le débat, la discussion, et j'ai dit, comment vous voyez ce conflit? C'est-à-dire, est-ce que vous croyez que c'est l'Ukraine possédée par le virus globalisme? Est-ce que vous croyez que c'est beaucoup plus large? Et ils m'ont dit en réponse, non, c'est la multipolarité contre l'unipolarité, c'est le globalisme, l'hégémonie américaine qui veut s'installer sur ce territoire
qui ne veut pas que la Russie devienne l'empire. Et donc après ça, quand tu écoutes cette chose extraordinaire géopolitique juste au centre de Donetsk pendant les bombardements, juste un café simple avec les gens simples qui habitent là-bas depuis son naissance, tu comprends que maintenant vraiment les gens, ils comprennent presque tous. Donc c'est vraiment quelque chose de conscient. Et sur les territoires qui maintenant ont été libérés depuis quelques mois, est-ce que la vie reprend son cours? Comment ça se passe maintenant l'administration russe sur ces territoires? J'ai entendu dire qu'il y avait des facilités qui étaient données aux populations justement pour acquérir un passeport russe. Et j'ai entendu aussi qu'il y avait le rétablissement de certaines lignes ferroviaires justement entre le Donbass et la Crimée. Donc ma question, c'est la vie reprend son cours doucement dans ces régions? Oui, absolument. Les gens commencent à vivre, à renaître, je peux dire aussi, parce que dans la manière, dans le sens existentiel, c'est-à-dire qu'ils sont maintenant les nouveaux citoyens. Et donc, pour les administrations, il y a des gens qui sont nommés comme les responsables à la tête de l'administration militaire. C'est comme ça le nom officiel. Titre, par exemple, la Melitopol, la ville qui est pas loin de Mariupol, ou la ville Berdyansk. Et donc, les gens commencent, pour le début, ils commencent de prendre les passeports russes, c'est-à-dire qu'ils remplissent une forme pour la demande de passeport russe, et tous ces gens sur ce territoire, Melitopol, Berdyansk, Mariupol et Donetsk, et aussi les places qui étaient libérées de l'armée ukrainienne maintenant, qui sont sous le contrôle de l'armée russe, les citoyens auront la possibilité d'avoir le passeport russe. Après, maintenant, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut dire clairement que Mariupol était presque tout détruit à cause de cette guerre. Tu y étais à Mariupol, hein. Tu as été à l'usine Azovstal. Oui, j'étais là-bas. En fait, c'est quelque chose comparable avec Aleppo. J'étais aussi en 2019 en Syrie. À Aleppo, et donc, en Syrie. En fait, ouais. C'est vraiment. Oui, c'est comparable à Alep. Ah oui. Évidemment, je vois la joie de gens qui vraiment sont très ravis de voir la Russie là-bas. Mais aussi, je comprends qu'il y a aussi la destruction massive à cause de cette guerre. Donc, la guerre, elle est toujours, c'est vraiment toujours une catastrophe. C'est vraiment toujours la tragédie. Ça, évidemment, va tuer les gens. Ça va détruire les maisons. Mais les gens attendent l'avenir. Et l'avenir avec la Russie, ils ont fait confiance. Ils sont sûrs que toute cette chose qui maintenant arrive, les maisons détruites, ça va passer, qu'il y aura l'avenir. Et donc, c'est très important. Tu le sens. Même quand tu vois une personne qui a perdu presque tout, qui a perdu la maison, qui a perdu ses proches, ses amis. Mais tu vois que dans ses yeux, il y a l'espoir. Donc, si on parle de Mariupol, je crois que c'est ça, un caractère, un trait très important qu'il faut vraiment souligner. Qu'ils ont l'espoir. Avec l'Ukraine, elle n'avait pas l'espoir. En fait, elle disait que bon, l'Ukraine, c'était quelque chose comme un régime corruptionniste et le régime avec l'idéologie de misanthropie. Et donc, c'est aussi que j'ai entendu au centre de Mariupol, quand je parlais avec les gens qui maintenant restent là-bas, qui habitent là-bas. Et donc, ils m'ont dit que l'Ukraine ne proposait pas l'avenir. Donc, on ne savait pas quoi faire. Soit on voulait déménager à Moscou, en Russie, de chercher le destin plus et plus intéressant qu'ici, soit on pensait de déménager autrefois. Et donc, voilà, ce sens de l'avenir aussi, il existe. Et c'est très tragique parce que Mariupol, c'est vraiment quelque chose de très existentiel. Une chose quand un homme comme l'existant en personne, avec la métaphysique, avec les religions, quand il s'éveille, quand il se réveille. Et donc, c'est très important cette expérience d'aller là-bas. Et je crois que si certains de nos libéraux, des gens qui sont contre l'opération spéciale militaire, qui ne sont pas du tout nombreux, il y a une petite portion d'élite, plutôt dans la sphère intellectuelle, qui est montrée à l'Occident comme si c'est nombreux, mais ce n'est pas du tout nombreux. Si ils pourraient avoir la possibilité de venir là-bas, ils vont changer
l'opinion de suite. Ça, je suis sûre. Ouais. Ça, je suis sûre. Oui, donc Daria, vous avez en fait pu assister au fait que la population recevait cette opération militaire comme une forme de libération, en tournant leur espoir vers un éventuel rattachement à la Russie. Et du côté russe, vous pensez que la Russie s'arrêtera où ? Quelles sont ses ambitions finales concernant justement cette opération spéciale ? On en parlait avec le journaliste juste avant vous. Est-ce que ce serait selon vous une percée jusqu'à la mer Noire et jusqu'à la Transnistrie pour opérer un projet de nouvelle Russie ? En regagnant de toute évidence les territoires séparatistes de Donetsk et de Lugansk. Mais voilà, selon vous, quelles sont les finalités profondes de cette opération russe ? Oui, si vous parlez dans la manière militaire, c'est évident qu'il faut absolument avoir le contrôle pour le mer Noir. Mais aussi, c'est absolument compréhensible que le but de l'opération spéciale était la déglobalisation, la dénazification et la démilitarisation de l'Ukraine. Et donc, c'est possible qu'après Odessa, si on va avancer à Odessa, après il y aura aussi les nouveaux horizons. Aussi, je voulais dire une chose très importante. Je crois que vous avez entendu déjà les buts de l'opération spéciale militaire russe, parmi lesquels il y a la dénazification et aussi la deuxième démilitarisation. Mais je crois que le plus précis, c'est la déoccidentalisation de l'Ukraine. Oui, la déotanisation aussi. La déotanisation. Occidentalisation. C'est-à-dire de rendre la souveraineté à l'Ukraine. C'est-à-dire que de le donner sa souveraineté et de le faire indépendant de l'Occident. Donc, en faire une zone tampon neutre entre l'Occident et la Russie, quoi. Exact. Et donc, je crois que avec ce but, il faut absolument qu'on ait le contrôle total sur l'Ukraine. Pas pour tout le temps, évidemment, mais pour une certaine période, pour après venir vers le compromis, vers les nouvelles élections en Ukraine, et puis pour avoir un gouvernement avec lequel on peut installer le dialogue. Mais ça, c'est que mon opinion personnelle, donc c'est pas... Qu'est-ce que veut l'opinion publique russe ? Qu'est-ce que pense l'opinion publique russe sur cette opération spéciale ? Est-ce qu'ils sont d'accord pour un effort de guerre incluant le Donbass ? Ou est-ce qu'ils ont vraiment un désir justement de pousser jusqu'en Transnistrie, de prendre Odessa et de réaliser la Novorussia ? Odessa, c'est évident que l'opinion russe veut de l'avoir dans la Novorossiya parce que, en fait, à Odessa, c'était aussi les gens qui étaient très, très, très pro-russes qui, en 2014, ont souffert beaucoup des nazis ukrainiens qui ont brûlé à la maison administrative. Oui, Laurent nous en parlait tout à l'heure des manifestations pro-russes qui ont été réprimées par les ukro-nazis dans le sang, ouais, effectivement. Ouais. Mais il y a aussi un lien historique avec Odessa. Ah, absolument, oui, absolument. Mais c'est très important que maintenant vous avez vu que Bernard-Henri Lévy a visité Odessa et c'est pas par hasard. Il a visité cette ville pour donner le courage à tous les combattants de globalisme de faire la confrontation contre la Russie parce que ces régions est assez pro-russe. Donc au début de 2014, c'était pas uniquement le Lugansk ou Donetsk qui était pro-russe, c'était aussi très fort de la manière très 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 fort cette région d'Odessa. Et c'est toujours le cas aujourd'hui? Oui, sauf que après 8 ans, bon, ça reste encore dans l'esprit. Évidemment que 8 ans, ils peuvent changer les esprits, mais pas entièrement, pas totalement. Donc, il reste encore les gens qui sont pro-russes, mais là, il y a les peurs, il y a vraiment la propagande sur eux qui a été faite, et les éléments les plus forts qui étaient là-bas étaient tués. Donc, là, on ne sait pas la situation claire. Absolument, l'opinion publique russe voulait que tout ça ait été fait en 2014. Mais bon, on a attendu 8 ans, on n'a pas la réponse pourquoi on a attendu comme ça, mais quand même, maintenant, c'est le choix géopolitique qui est fait par la Russie et la restauration de la justice.
Ouais. Mais on sait que Vladimir Poutine, on le voit comme un faucon en Occident, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'en Russie, finalement, il est assez équilibré hein, entre les généraux et son entourage qui est plus pro-business, plus versé dans l'économie. Et lui, en fait, il essaie d'avoir une position assez équilibrée entre les deux. Est-ce que vous pensez que Vladimir Poutine est prêt à pousser l'effort de guerre donc, pour réaliser la Novorussia? Mais surtout, est-ce que vous pensez que l'armée russe est capable d'un tel effort? Parce que ça voudrait dire prendre Odessa, qui est quand même une très grosse ville, mais aussi prendre Kharkov au nord, qui est quand même la deuxième plus grosse ville d'Ukraine. Donc là, il faut un effort vraiment conséquent. Est-ce que vous pensez l'armée russe capable d'un tel effort? Je crois qu'au niveau de l'armée, nous sommes assez forts. Mais ça dépend aussi des stratèges qui vont faire la stratégie de cette opération. Ça dépend de eux parce que, par exemple, on a commencé dans les manières très, très lentes avec l'opération spéciale militaire. On était très délicate au niveau de bombardement. Ouais, mais d'ailleurs, cette opération militaire, je pense qu'on pourrait en discuter parce qu'il y a eu une première tentative de prise éclair de Kiev. Qui a échoué quand même. Il y a eu des incursions russes au nord. Et je me rappelle, on en discutait derrière et tu me disais que peut-être la Russie avait peut-être un peu présumé, s'était vue peut-être un peu trop belle. Et finalement, le front du Donbass résistant de manière acharnée, ils avaient replié les forces du nord pour les mettre au Donbass, pour fortifier finalement ce front du Donbass. Et je me souviens, on avait eu cette discussion. Tu m'avais dit qu'ils avaient changé d'état-major justement au Donbass. Tu peux absolument, nous en parler un peu? Absolument. Tu peux nous en parler? Absolument, oui. Oui, c'est une chose intéressante parce qu'on a commencé avec un général et puis elle était changée pour le général qui travaillait en Syrie. Pourquoi? Parce que le ministère de la Défense russe a compris qu'en fait la doctrine de la stratégie des Ukrainiens était une stratégie d'en quelque sorte terroriste. Donc prendre les otages avec les civils, utiliser les maisons qui sont situées au centre de la ville et mettre les points de feu là-bas. Et donc, en fait, tout ça a fait changer le général. Le problème est celle qu'on n'a pas de la réponse. Est-ce que la Russie aura la possibilité de prendre Kharkov ou Odessa? Parce que le problème est les armes qui arrivent d'Occident. Et donc, il y a plusieurs canons et tous qui arrivent chaque jour, non-stop, sans fin. Et donc, ça donne un grand problème pour tout le conflit. Et ça ne va pas faire les choses que la Russie ne va pas gagner. Ça va faire les choses que le conflit aura vraiment... qu'il durera longtemps. Et donc ça, c'est la tragédie qui est maintenant nourrie par l'Occident, par l'États-Unis et pour l'Allemagne, par exemple. Le pays le plus fort qui donne l'arme aux Ukrainiens, c'est le premier place, c'est évidemment les États-Unis. Et le deuxième, c'est l'Allemagne qui a perdu sa souveraineté. Ouais, tout à fait. Mais je reviens à ce que tu disais. Donc c'est intéressant parce qu'en fait ils ont changé. Donc tu dis que la Russie a changé de stratégie au Donbass justement parce qu'ils se sont aperçus que les Ukrainiens en fait allaient avoir une tactique un peu de guérilla en fait dans les villes de combats rapprochés. Hein, c'est ça pour prendre les villes. Et donc du coup ils ont mis le général qui opérait en Syrie. Tu as son nom ou pas? Comment il s'appelle? Tu sais? Dvorkin, je crois. Ouais. Et Dvorkin. Parce que lui, justement, il avait l'expérience de ses combats justement à Alep et dans le nord de la Syrie, quoi. Donc il y a eu un réalignement stratégique de l'état-major russe au Donbass, quoi. Ça, je trouve ça très très intéressant ce que tu dis. Et donc du coup, on se dirige vers une guerre longue. Est-ce que tu penses que l'opinion publique russe est prête à soutenir une guerre qui risque de durer plusieurs années? Je sais pas. Je suis sûr que maintenant les Russes comprennent que c'est le choix historique et si on va pas perdre cette opération, c'est-à-dire que on n'aura pas l'avenir. C'est-à-dire que c'est la logique de Brzezinski qui disait que la Russie avec l'Ukraine c'est l'empire et la Russie sans Ukraine c'est rien. Donc ouais, c'est la défaite. Ouais, bien sûr. Et donc je crois que toutes les Russes ils comprennent cette logique. Les Russes patriotes ils comprennent ça et donc ils sont prêts pour
pour être avec son état jusqu'à fin d'opération. Si ça sera à 3 ans, c'est aussi possible. Mais je suis pas sûre que ça va durer si longtemps. Il y a certaines prognoses et analyses qui disent que ça va finir dans 3 mois ou 4 mois, quelque chose comme ça. En tout cas, on va prier pour ceux que ça va finir si, le plus vite possible. Et en tout cas, on va faire tous pour le finir. Ok, parfait. Bah écoute, merci beaucoup Daria pour ta participation. Merci nous partager Daria. Donc ce voyage au Donbass, très intéressant. Et bah écoute, je te souhaite une bonne continuation et j'espère à très vite. À très bientôt. Merci beaucoup. Salut Daria. Merci. Bientôt. Oui. Au revoir. Chers auditeurs, merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette nouvelle émission sur la Russie et plus particulièrement sur le conflit au Donbass. J'espère que les éclairages de nos deux intervenants vous ont permis de mieux comprendre ce qui s'y passe. Merci pour tout, donc merci pour votre fidélité. Je vous rappelle que si vous voulez nous aider, vous pouvez souscrire au financement associatif de la rédaction et de la radio ERFM, intitulé « À l'avant-garde de la résistance ». Toute aide, même minime, nous est très précieuse, car vous le savez, nous sommes persécutés par le système. Et donc, une aide financière est la meilleure chose que vous puissiez faire. Même minime, vous savez, tout travail de qualité mérite salaire. Donc n'hésitez pas, l'argent c'est le nerf de la guerre, ça nous permet de pérenniser les projets existants, comme cette émission, et d'en lancer d'autres. Voilà, donc chers auditeurs, je vous remercie pour tout, je vous dis à très vite, merci beaucoup Camille. Merci Yann, merci à nos auditeurs. Et on se retrouve à la prochaine émission. Salut à tous.